avant de commencer l'épisode, hein, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous remercie parce que vraiment, vous avez été nombreux à apprécier le nouveau concept sur la chaîne et donc les théories SCP. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime faire ça, tout simplement. J'aime le faire, donc il y en aura plus souvent sur la chaîne. Aussi, quand je vous ai demandé de répondre des théories ou des trucs comme ça dans les commentaires, je savais pas qu'il y en aurait 240, putain. Vous vous rendez compte, 240 messages que j'ai dû éplucher. En tout cas, ça m'a pris un temps fou, ça m'a pris près de 2 heures hein, pour tout lire et... y réfléchir quoi. Mais il y avait des trucs pas trop dégueulasses. Franchement, il y avait des commentaires très bien, il y avait des commentaires un peu nuls. Donc franchement, là, s'il vous plaît, pour l'épisode 2, faites la même chose. Mais mettez des likes sur les commentaires que vous lirez, qui sont très bien, une très bonne théorie. Voilà, s'il vous plaît, faites-le parce que je vais pas m'en sortir si je dois à chaque fois lire tous les commentaires. Juste avant de balancer la vidéo, j'aimerais juste vous montrer les 2-3 petits commentaires qui m'ont fait rire et qui m'ont fait plaisir. Hein. D'ailleurs, merci à ceux qui font de vrais bons commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Alors, premier commentaire, c'est le commentaire de Ant.anima. Alors, c'est un peu léger, sans vouloir être offensant, il y a l'idée, mais j'ai l'impression que tu ne fais que gratter la surface. Alors, toi, je voulais te répondre personnellement parce que oui, c'est le but, je ne fais que de gratter la surface pour que vous explorez un nouveau champ dans la théorie que je fais. Sinon, après, il a écrit un pavé tout à fait incroyable que j'ai lu, qui était pas trop dégueu. Donc, si vous avez des idées, faites-le pareil, mais vraiment. Après, j'ai eu ce genre de commentaire. Franchement, je sais pas quoi vous répondre quand vous dites des trucs comme ça parce que c'est... Non, mais... Réfléchissez avant d'écrire des choses s'il vous plaît. Donc c'est Ninja que je vous laisse avec la vidéo, ciao. Bonjour, aujourd'hui je vais m'attaquer à quelque chose de gros, de très gros. En faisant mon hypothèse sur 682, j'ai pensé à une chose. Qu'est-ce qu'il fout sur Terre et comment est-il si fort, hein, tout simplement. Et j'ai tout simplement pensé en rigolant qu'il pouvait être le fils de 2317. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas débile du tout. Alors comme dit dans l'intro, aujourd'hui je vais mettre une hypothèse qui vient de ma tête qui est assez incroyable. Hier, je me suis rappelé de SCP-231 et de la procédure Montauk. Vous savez, la procédure un peu sale qui, entre guillemets, un classé doit 231-7 pour qu'elle n'accouche pas. Et en gros, avec 231-7, il y a tout plein de théories. Comme quoi, j'aurais pu accoucher du fils de 2037 qui peut être 999 ou encore 682. Sauf que moi, c'est cette dernière que je vais théoriser un coup. Alors pour commencer, je vais parler des 7 sœurs. Elles sont toutes mortes sauf la 7ème. Personnellement, je vais m'intéresser à la 4ème. Il est dit qu'elle est morte après avoir donné naissance à un SCP. Imaginez si ce SCP est 682. Car je cite, tentative d'administrer SCP-500 à SCP-231-4. Malgré l'expulsion avec succès de toute trace d'un SCP inconnu, ou peut-être 682 comme j'ai dit, l'expulsion a immédiatement fait l'objet d'un événement inconnu, provoquant de nombreuses victimes, y compris SCP-231-4. Et c'est là que je me suis dit qu'elle avait peut-être donné naissance à 682. J'ai donc regardé comment les autres sœurs sont mortes et j'ai pu constater une chose. Elles sont toutes mortes avant ou pendant l'accouchement sauf la 4ème qui est morte après avoir complètement accouché grâce à SCP-500. Elle meurt à cause de l'événement inconnu provoqué par son enfant. Donc je me suis dit pour que l'accouchement soit un réel succès, il faut que la mère ne meure pas pendant ou avant l'accouchement. Et quand 231-4 a accouché de 682, il a commencé à s'énerver et à provoquer un événement inconnu, tuant sa mère et beaucoup de personnes. Sauf que la fondation a pu le mettre en déroute très facilement car il venait à peine de naître et donc il ne s'était pas encore vraiment adapté aux balles des armes, etc. Imaginez si tout ce que j'ai dit était vrai. Bien sûr, je pense que j'ai dit de la sacrée merde, mais je pense que c'est le but de théoriser, non? Mais imaginez si vraiment 682 est bien le fils de 2317. Et avec tous ces éléments, j'ai réfléchi à une autre théorie tout à fait incroyable. 682 pourrait peut-être servir de chaîne à 2317. Alors je m'explique, si 682 est bel et bien le fils de 2317, alors on pourrait utiliser ses os pour en créer de nouvelles, car lui aussi ça serait un dévoreur de monde. Car je vous rappelle qu'il faut quand même les os d'un autre dévoreur de monde pour recréer les chaînes. Donc imaginez que la fondation a tout prévu, le fait que 682 naisse, qu'il garde en vie la dernière sœur exprès pour recréer un autre 682, pour recréer des chaînes, vous vous rendez compte? Et ce qui me fait dire ça, c'est une phrase écrite en tout petit sur l'indendum 231-B qui est une missive d'un os. Il est dit, ne les croyez pas quand ils disent qu'ils essayent de la sauver. Pourquoi auraient-ils besoin de s'en inquiéter? Ils ont exactement obtenu ce qu'ils veulent, exactement où ils veulent. Avec cette phrase, on peut comprendre plusieurs choses. Comme par exemple, ils ont obtenu exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire créer un autre dévoreur de monde pour en faire des chaînes. Exactement où ils veulent, ils l'ont fait dans la fondation, car c'est là où ils peuvent l'emprisonner au mieux. Et je pense très sincèrement qu'ils n'essayent pas de sauver 231-7, mais juste de garder ce qu'elle a en elle pour plus tard. Oh mais je viens de penser à un truc sur 682. 6-2 égale 4, comme la 4ème sœur. Oh mon dieu! Non, je déconne. C'était de la merde. Bon, c'était Ninja, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.